Le 19 août marque traditionnellement la journée mondiale de l'action humanitaire. Aujourd'hui, il résonne tristement en France, car 6 de nos compatriotes, il y a quelques jours, ont été brutalement assassinés au Niger. Et nous nous souvenons d'eux, de leur engagement, de la force de l'énergie qu'ils mettaient pour améliorer la vie des populations auprès desquelles ils étaient engagés. Je veux dire que la France restera très active sur la scène internationale pour promouvoir cette action humanitaire. Il y a un an tout juste, Jean-Yves Le Drian, avec son homologue allemand, lançait l'appel à l'action humanitaire. Le président de la République veut maintenir vive cette flamme de l'engagement. Et il nous appartient de continuer à obtenir d'un nombre croissant d'États des engagements pour protéger celles et ceux qui prodiguent le bien sur le terrain. Ne doutez pas de notre détermination à agir. Et merci à toutes celles et tous ceux qui, partout dans le monde, dans les zones de crise, mais également ailleurs, travaillent, œuvrent pour rendre ce monde toujours plus humain, auprès de populations parfois dans une détresse extrême.